se bat pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo se sacrifie pour le bien-être de l'Afrique. Si aujourd'hui, Soro Guillaume et le président Henri Konan Bédié, on connaît la tête au mur, dès les gens qui sont noirs et qui sont ivoiriens, mettons-nous ensemble, c'est les gars qui ont combattu. Mais je ne peux pas être gore. Quand je plébiscite les démarches du président Gbagbo et que j'expose pour leur dire que le monsieur, là, quand il va sortir, il va réunir tous les Ivoiriens. Le monsieur, il est magnanime. Il est placide comme un éléphant. Voilà qui il est. Voilà qu'est-ce qu'il fait. Voilà où il va. Aujourd'hui, là, j'ai eu raison. Oui, j'ai eu raison. Ce n'est pas le président Gbagbo qui vient de donner sur le Guillaume. Pourquoi les gars me combattaient? Parce que j'ai dit, on a... en fait, le président Henri Konan Bédié, quand j'ai dit, on a qu'à se mettre le PDC, c'est pas un problème pour eux. Eux, ils avalaient mieux l'idée de se mettre. Mais quand j'ai dit, mettons-nous avec tout le monde, dont les soroïs là, eux, ils me combattaient. Mais c'est pas le président Gbagbo qui vient de donner sur le Guillaume. C'est pas devant lui, il est là, de donner. Ça, c'est les gars, ça. Parce que pour que les gars, il va faire la différence entre mon néologisme de la philosophie babouisme, mon refus d'appartenir à un parti politique où tu es obligé de construire le parti pour arriver au pouvoir, et mon explication de dire que on ne peut pas résumer une lutte à un individu, c'est-à-dire l'idolâtrie, puisque Gbagbo lui-même se bat pour un pays. C'est ce que les gars font. Mais pourtant, c'est un mouvement qui est un comprimé, qui a boosté beaucoup de personnes. Les gens disent tout et n'importe quoi. Mais c'est un mouvement qu'il faut respecter parce qu'ils sont battus. Mais moi, je l'explique aujourd'hui. J'ai eu raison. Le père Gbagbo dit, les enfants là, ce qu'on voit là, c'est pas lui qui fait la rébellion. On veut lui qui a pensé la rébellion. Mais, en même temps que je le dis, je salue les gars, hein, ça là, il faut pas, on peut pas leur enlever ça. Ils ont mobilisé. Ils ont imposé leur nom. Au monde entier, aujourd'hui même, les médias à l'international parlent des gars. C'est-à-dire, les gars sont devenus une marque. Les gars sont devenus une force autour de Gbagbo. Et ça, il faut saluer. Quand quelque chose est bon, c'est bon. Mais quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Aujourd'hui, quand on a un débat, les gars, même Ouattara dit, les partisans de Gbagbo, les gars, les Américains, les gars, les Français, parce qu'ils ont imposé ça. Il faut saluer ça. Donc moi, ils saluent ceux qui se reconnaissent gore. Parce qu'ils ont imposé tout le problème Gbagbo. Un mythe, un mystère, c'est bon, c'est une bonne arme. Mais je dis que je ne fais pas partie de ça. Pourquoi? Parce que j'avais dit que l'homme que nous suivons là, il ne se bat pas pour lui. Les anglophones appellent ça selfish. Il n'est pas selfish. Il n'est pas nombriliste. Il n'est pas cupide. Il n'est pas... narcissique. Donc, moi, cela, tu connais un peu pour le perdu. Donc, du coup, si le blanc Gbagbo fait le don de soi vers le monde, les solo Guillaume et les Bédié là, il faut qu'on les mette ensemble, on va se battre pour avoir un. Comme Internet aujourd'hui à la page est devenu comme une arme, avoir une force de communication. Parce que eux, ils ont France 24, TV5, tous les rebelles, RDF, voilà. Mais nous, on n'a rien, on est divisé entre nous, on se bat. Mettons-nous ensemble. Faisons la Dream Team, et puis la Dream Team, là, qu'on va imposer la communication, parce que c'était les meilleurs communicants. Les gars avaient, mais si tu vois les communicants des gars, tu restes tranquille, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs. Les PDCI avaient des gens qui pouvaient écrire comme Charlie Black Legend, qui prend notre parti, et pardon, de notre mouvement. Charlie Black Legend, Henri Charles, comme on l'appelle, s'il te fait, il te fait un écriteau ici, mais tu es content. C'est ce que j'ai demandé. Mais aujourd'hui, j'ai eu raison. Mais il n'y a pas un seul qui va faire vidéo du Baba du Côte, tu as eu raison. Quand Gbagbo dit à Soro, ou pour Soro, ou à cause de Soro, ce n'est pas les enfants. Gbagbo fait quoi? Gbagbo dédouane Soro. Aujourd'hui, je vois mes frères Soroïs. Il paraît qu'ils ne font pas là. Et j'ai regardé, et puis j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Amira. J'ai dit, il est mal blader nous. Mais comme c'est tard, on n'a pas discuté. J'ai appelé Parigo. Il faisait tard, on n'a pas discuté. J'ai appelé Lossini. Lui ne m'a pas appelé jusqu'à présent. J'ai appelé Ibra. J'ai appelé Général. J'ai appelé Soulé. La guerre, je ne l'ai pas appelé. Mais on s'est écrit. Quand je vois les soleils, c'est pas là. Je suis le plus joli. Les soleils, que vous voyez là. Dans notre lutte, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Une personne importante pour ma structuration spirituelle. C'est-à-dire, une personne qui a construit ce que je suis en tant que bossoniste. Une personne que les chrétiens appellent un père spirituel. Mais c'est mon oncle. Celui qui a pris ma mère, qui a fait comme ça. Les adultes savent ce que ça veut dire. Celui qui a pris ma mère, qui m'a fait comme ça. Et puis j'ai attrapé mon secret comme ça. Et qui m'a accompagné. Quand je l'ai perdu, j'étais dévasté. Mes amis gbagboïstes, ceux qui m'ont visité, on peut les compter. Ceux avec qui je mangeais, je dormais, je me battais, je partais partout. C'est soit au téléphone, soit après. Mais les soleils se sont rassemblés. Le jour où il y avait Soulé de Paris, il y avait Ahmed Konaté Général. Il y avait Ibra Soumaoro. Il y avait Elunor Kwabe. Il y avait Lossini Kibafouri.
il y avait Parigot. Ils sont venus me voir. Et sur place, là, ils ont cotisé. Tiens, c'est ton Yako. Mais en fait, tout homme a un prix. Tout homme a un prix. Mais la qualité du prix ou le couloir du prix où tu te mets, c'est comme ça qu'on t'achète. Mais les soloïstes m'ont assisté de façon immatérielle. Et c'est resté là dans mon cœur. J'ai dit, ouais, ces gens-là, ces gens qui sont allés chez Solo Guillaume, dans le sang, ces jeunes-là, on ne se connaissait pas. Celui qui m'a ramené dans le débat des soloïstes, il s'appelle Ahmed Konaté Général. Tous les soloïstes, je ne les connaissais pas. Hein. Aujourd'hui, je suis plus proche de Solo qu'Ahmed, c'est vrai, mais c'est Ahmed Konaté Général, après un débat, m'a ramené vers les soloïstes. Ahmed Konaté Général, après un débat entre lui, moi, après le soloïste Bambo, quand on a fini le débat, on a changé les numéros, puis bon, on s'est appelé jusqu'on a... Les gens autour de nous, les gens ont pensé la victime, ils ont voulu la victime, ils ont motivé la victime, mais c'est Ahmed Général et moi qui avons actionné les leviers de la victime. Ahmed Général, que vous voyez là, un voleur de cabri, un petit djoula sauvage là, ils sont venus me voir, ils ont mis leur tampon dans mon cœur d'ivoirien, ils m'ont assisté spirituellement, là où mes frères Baboui s'étaient loin et me régalaient. Donc c'est des gens pour qui j'ai un respect qualitatif. Donc aujourd'hui, comme les soloïstes sont en train de se battre, j'ai dit, voilà déjà, qui sont allés chercher Solo dans le sang, Solo dans la boue, Solo dans la criminalité. Ils ont pris Solo Guillaume, là où personne ne voulait entendre parler de lui. Comme l'opiniatrice des Gbagboïs qui marchait dans la diaspora pour Gbagbo. Ces jeunes gens sont allés chercher Solo. Dans son nobody, ils ont pris Solo comme ça, plein de sang. Et puis ils ont nettoyé Solo. Jusqu'à aujourd'hui, Solo est devenu quelqu'un de fréquentable. Avant, tu ne mets pas des solos, tout le monde ne fait pas là. Moi, je fais plus de vidéos contre solo que n'importe qui. Mais avant, comme on ne me connaisse pas, c'est pour ça. Moi, je fais plus de vidéos contre le président de la République que n'importe qui. Là, c'est depuis que j'ai arrêté la clé. Sinon, moi, mes premières vidéos, parce que nous, avant, on faisait les vidéos pour envoyer ça à la Dossi Gang, de Johnny Pacheco, tous ses amis, dessins animés, comment il s'appelle, mon frère Abidji, là, Dolvac Premier, Delso Hamilton, dessins animés, Vivi Lamour, Guy Anticonformiste, BGM Boni Grigra et j'en passe. Black Mudo, Luc Boni là. Moi, j'ai fait plus de vidéos contre Soro et Bidi. Mais quand Gbagbo, depuis la CPI, est sorti et puis a dit, c'est la France qui a fait le travail et tout le reste, jusqu'à Bidi et Soro ont quitté à la certaine moment, les qui m'a travaillé. J'ai dit, ok, ça suffit. Parce que pour gagner une guerre, il faut préparer. Alors, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Et moi, j'ai fait la guerre à mes sentiments. Parce que mes sentiments étaient en guerre. Elle n'était pas en paix. Mais j'ai fait la guerre, mais certainement pour avoir la paix. Et j'ai invité des gens depuis 5 ans, hein, c'est pas aujourd'hui. Hein. On m'a insulté. On m'a trimballé ici. On a fait ceci. On dit Lilou, c'est pas son fils. Baba Nicolas, c'est un PD. C'est un voleur. Il a tué les gens à Abidjan. Il a coupé la langue des enfants. Ils ont tout dit aujourd'hui là. Baba Nicolas, encore sur la toile. Et ce que j'ai dit là, c'est ça qui est arrivé. Quand Baba Simone et Babo à la mort d'Abdoulaye Sangaré a reçu Solo Guillaume, il a fait à tout. J'ai dit 1-0. Quand Michel Babo dans un stade a fait à tout. À Solo, j'ai dit 2-0. Quand le président Gbagbo a commencé à faire le discours de Solo Guillaume, j'ai dit, hey, faites des vidéos pour me dire merci. J'étais avec Eben Boanegra, la fille Godier là. On était deux. Mais les gens voulaient m'égorger. Aujourd'hui, on est où? Solo Guillaume, le même Solo Guillaume qui dit, je suis rebelle. Pourquoi je suis rebelle? Je ne prends pas Boubou. Gbagbo va partir. Gbagbo ceci. Rébellion ceci. Ils ont tué les gens. Tout ça là. C'est le même Solo que les jeunes se sont battus pour mettre là. Et ils font parler entre eux. Donc, il est important qu'aujourd'hui, je fasse cette vidéo pour dire il faut le mettre à César, ce qui est à César. Quand les gens disent que le président Gbagbo doit réunir l'opposition, moi, je dis, Gbagbo, là, il faut qu'on fasse un bloc pour lui donner la Côte d'Ivoire, pour qu'il nous rende la Côte d'Ivoire, comme le dit. Le président Gbagbo, que vous voyez là, spirituellement, c'est lui. Spirituellement, c'est lui que nos ancêtres ont décidé de choisir pour mener la lutte. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais Gbagbo est un vrai combattant. Gbagbo est un vrai Widi, comme le dit les bêtises, Gbagbo est un vrai garçon. Combien d'Ivoiriens auraient pu subir ce qu'il a subi là et dit je veux compétir? Combien d'Ivoiriens? Combien d'Ivoiriens auraient pu affronter ce que Gbagbo a affronté? Des bombes sur sa maison. Bombes! Mais avant d'arriver à la bombe là, réfléchissez. En 2004,
L'armée française avait encerclé notre Côte d'Ivoire. L'armée française voulait les tuer. Nuit était Charles Blé Goudé. Que aujourd'hui, les gens des Babou insultent. Et que lui aussi, dans son cas, les gens insultent Babou. Nuit était la garantie patriotique. Nuit était la volonté des Ivoiriens de préserver le pouvoir de Babou. Nuit était l'énergie de Babou, le charisme de Babou qui a rassemblé les Ivoiriens. On était déjà mort. Mais Babou, son esprit, là, a rassemblé tous les Ivoiriens. 2004. Et là, ce que Babou a subi. Jusqu'à Mamadou Koulibaly a sorti pour dire hey, envoyez le char là. On dit c'est comment dire, Diomata, on dit tu vas être président. Diomata dit non, je n'ai pas dit ça. On dit procès, tu dis quoi? Non, il n'a pas dit ça. On parle de quoi? En tout cas, camarades, nous allons expliquer aux Ivoiriens qu'il faut donner à César. Il faut donner à César ce qui est à César. Babou là n'est pas camarade de quelqu'un. On a dit, les gens qui sont nés même en 2011, pas les Babou. Moi, les amis qui m'appellent, non, papa Nicolo, viens sur notre panel, je dis c'est quoi, panel de quoi? On dit non, c'est sur un panel ou un panel. J'ai dit moi, à 40 piges et plus, 40 piges, 40 ans et plus, je vais aller m'asseoir sur un panel pour expliquer à un petit qui est né en 2012 ou 2013 qui est Babou. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Moi, il faut me respecter. Hein. Vous pouvez faire ça avec les Soulé, mon ami Soulé. C'est les Soulé, c'est les Nina, les KGB, les. Et le Nord. Ça, non, ça, moi, à mon âge, là, je vais m'asseoir avec un petit RDR. Je ne sais pas si l'Ivoirien, un épicurien, un hybride, pour expliquer ce que Babou a fait. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'ai l'achète. Pourquoi? Moi, je dis, les Ivoiriens vont prendre leur pays. C'est ce que je dis. Je dis, il faut que les Ivoiriens commencent à cotiser. Parce que nous allons cotiser pour sortir de notre pays de l'ornière. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut donner à César ce qui est à César. Babou, là. C'est le Babou, il n'y a pas un légitime. Les André Sylvain Kona. André Sylvain Kona, c'est qui? André Sylvain Kona, c'est qui? Les Daouda, quelqu'un qui a pas quitté, on dirait un remake de torture. C'est qui ça? Même le journaliste même de MCI là, le journal de MCI, ce gros hypocrite, ce gros gars qui se fait le journal de MCI là, ce gros RDX, ce cas gérer ça me dit là. Moi je parle de Babou, je peux pas de Babou quelqu'un. Hein. Moi je parle de Babou aux Ivoiriens. Et ce que je vais dire aux Ivoiriens, il faut remettre à Babou la Côte d'Ivoire, pour que Babou nous remette la Côte d'Ivoire. Rendre à César ce qu'est à César, ça veut dire quoi? Mais nous tous on est témoins que le président Babou était au pouvoir. Le président Babou était au pouvoir. Il a fallu l'ONU ici, l'armée de l'ONU, c'est-à-dire les cases bleues. Il a fallu ECOMOC, l'armée de la CDAO. Il a bien fallu l'armée de l'Union africaine. Il a bien fallu des traîtres à l'Afrique de l'Ouest, comme les Goulot Jonathan, Abdoulaye Watt, Amani Touré, les Foy Yassingbe, et le président du Ghana dans le temps. James, comment il s'appelle le grand gagnant dans le temps? John Akufo ou quoi là? Non, pas Akufo. Il s'appelle. Bref, il est mort maintenant. Tout cela. Il y avait au Libéria, Sir Leaf. C'est tout cela qui ont combattu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était en autarcie face à cette grève. Tout le monde l'a abandonné. En Côte d'Ivoire en interne, le PDCI était avec Dramane Ouattara. Les jeunes, l'idée par Solo Guillaume, du Nord était avec Dramane Ouattara. Parmi nous, il y avait des traîtres. Il y a comme Mangou, général de l'armée était avec Dramane Ouattara. Tout cela sont battus contre Babou. Mais il faut rendre Babou, c'est qui ta Babou? Babou est au pouvoir, mais les gens ont eu le moyen pour l'enlever. Il l'a enlevé, on dit non, il est criminel. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Il est allé, on dit il est innocent. Frère. Maintenant qu'on dit il est innocent, il faut lui remettre ce qui est à lui. Il faut qu'on fasse un bloc autour de Babou. Pourquoi Babou dans le pays? Quand on dit non, Babou, l'opposition. Mais vous parlez de quelle opposition? Quand on dit Babou n'a qu'à lui, l'opposition, vous parlez de quoi? Allez, 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 allez. Moi, j'entends les gens disent non, Babou devait être leader de l'opposition. Il faut qu'il. Babou n'a qu'à lui, quelle opposition? Frère, moi, je suis pragmatique. Quand le grand Babou est venu là, ce que je dis là, vous pouvez chercher. Quand le grand Babou est venu avec son PPACI, parce que Afingessan voulait prendre le FPI pour le tourner, je vous ai expliqué après le PPACI que ce Babou n'a pas improvisé, il avait déjà prévu ça. Dans son discours, il a dit rejoignez-moi. J'insiste sur cette phrase. Il a dit rejoignez-moi. Rejoignez-moi. Mais quand il a dit rejoignez-moi là, le moment Simon a vu Babou, elle était dans la salle. Yéman. Maman, c'est moi le Babou. Ma maman, elle est dans la salle. Mais rejoignez-moi le Babou, là, c'est pas compliqué dedans, vous ne pas comprendre. On dit la partie de gauche, il faut qu'ils se mettent à ça. Mais Babou a dit, rejoignez-moi. Il y a combien de parties de gauche? Partie de gauche, c'est partie de gauche. Partie de gauche, c'est partie de gauche. Il n'y a pas d'alliance dans la partie de gauche. C'est des retrouvailles. C'est des reformations de rang. Déjà, dis-tu, non, il faut une alliance. Non, il n'y a pas d'alliance avec la gauche. La gauche doit se retrouver. Mais ça, c'est une vidéo que j'ai fait spécialement. Mais maman, c'est moi le Babou dans la salle. Babou a dit, rejoignez-moi. Si on parle de la même Côte d'Ivoire, on a le même programme, on veut la même chose, pourquoi on ne se rejoint pas? Blé Goudé, le Côte d'Ivoire n'a pas de. Comment on peut. Je sais plus ce que je dis. Il pourrait rejoindre Babou.
C'est Val qui prie. Ancien rebelle. C'est Val qui prie. C'est un ancien rebelle. C'est Val qui prie aujourd'hui qui joue les lèches-cul avec le babou là. Excusez-moi du terme, hein. C'est mon mari de parler. Et c'est un ancien rebelle. Il était au MFA. Laissez-moi qui prie là. Ils étaient à Marcoussi. Quand son oncle qui est à pied, on dirait d'enlever les os dedans. Son oncle qui est à pied, on dirait les batailles. Joël Nguessa était à Marcoussi. Joël Nguessa, c'est un MFA. Il était à Nagui Kobina. Mais c'est Val qui prie, c'est un rebelle, il était là-bas. C'est avec eux, il tirait la Côte d'Ivoire. C'est Val qui prie à laisser son parti UNG. Vous voulez trouver babou? Oyen, peut essayer de il a laissé EDS où il a des députés dedans là. Pour venir les jeunes babous. Youssouf Diaby, il était avec Kojo de Blegoubé, il a essayé pour venir les jeunes babous. Konaté Navigué, il était avec Afin Guessa. Il était président des jeunes d'Afin Guessa, je ne sais quoi. Il a laissé Afin Guessa pour venir les jeunes babous. Chose, la femme là, celle on a dit, elle est quoi là de quoi là, quoi la femme, mais il y avait une femme là, elle était Afin Guessa. Elle est venue. Les joueurs les Guessa quoi là, ils ont les jeunes babous. Il y a quel message, ils n'ont pas compris pour les joueurs moi. Mais babou voulait que le la gauche mette ensemble. Mamadou Koulibaly. Quand Babou a dit les joueurs, pourquoi ils n'ont pas les jeunes babous? Tous ceux qui, les jeunes quoi là, tous ceux qui disent que c'est babouistes là, parce qu'ils disent pas, c'est les babouistes, c'est sous babou, on les connaît. Encore une fois, il y a deux parties. Il y a la droite et la gauche. La droite, c'est le PDCI. RDS, c'est un parti de PDCI. UDPCI, c'est un parti de PDCI. UDCI de Jamia Kouna, c'est un parti de PDCI. Tous les tatapions là, c'est un parti de PDCI. Donc, il y a deux grandes parties. Il y a la partie PDCI, la partie FPI. Tous les débrambrements, à part les partis de Zadi Zaourou, les partis de, le parti de Afsana Baba, là, qu'on appelle même, Maman Bourifilé, les partis de PIT, les partis de Guedro, qui étaient là, au même titre que le parti de Babou, là. Tous les autres, là, c'est dans le côté du PDCI et du FPI. Donc, Babou n'a pas, comme il, et puis d'ailleurs, Babou l'a déjà dit, quand Babou parle, les gens sont choqués. Mais Babou, vous avez la vérité, son travail, c'est pas de réunir l'opposition. Son travail, c'est de faire ce que ton parti lui a confié, c'est-à-dire d'amener au pouvoir. Mais la force que lui représente, l'organisation qu'il est, le César qu'il est, c'est aux autres partis là de faire bloc autour de Babou. C'est pas à Babou de le couler après. Parce qu'ils sont tous émanants de la racine du Babou. Tout le monde sait. Pourquoi c'est Babou qui va s'asseoir pour dire venez à faire réunion? Non, ils ont à se retrouver. Babou les a appelés devant tout le monde. Allez réécouter le jour de la création de PPACI où Babou a dit ma chérie, bata. Allez réécouter. Babou a dit rejoignez-moi. Pourquoi je ne suis pas venu? Le MGC n'est pas encore créé. Quand Babou disait ça, le MGC n'est pas encore créé. Pourquoi je ne suis pas venu? Le coach jusqu'à présent n'a pas de coach, n'a pas de recette. Pourquoi ils ne sont pas venus? Tous les autres partis là, pourquoi ils ne sont pas venus? Mais aujourd'hui, non, les gens, c'est-à-dire les gens, ils disent tout et n'importe quoi. Ce débat, celui qui veut m'inviter, on dit, on ne débat dessus. Quand on pense que la Côte d'Ivoire est la chose la plus importante, quand on pense qu'on a des idées pour la Côte d'Ivoire, quand on pense qu'on a les mêmes idées que quelqu'un, on se met ensemble. Mais non. Moi, maintenant, comme Babou avait des prisons, il n'a pas marié Simone, Babou, il est comme ça. Comme Simone n'a pas marié Babou, Simone, les gens connaissent surtout moi Simone. Les gens de Babou sont pour moi Simone. Les gens de Babou sont Blegoudé. Les gens de Blegoudé sont Babou. C'est quoi ça? Mamadou Koulibaly a pris son indépendance, il a insulté quelqu'un. Mamadou Koulibaly a pris son, il a insulté quelqu'un. Mais pourquoi pour vous là? Non, Babou est comme ça. Il n'a pas marié, la statutrice. Nadi Bamba, pourquoi c'est maman Simone? Elle est comme ça. Pourquoi Blegoudé? Il a trahi. Mais les autres qui ont pris l'indépendance, quand on a pourquoi ils n'ont pas insulté Babou? Afingesan, c'est qui Afingesan? Bref, camarade. Je m'arrête aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Ce genre de direct, là, je vais le faire. Il faut que les jeunes comprennent. Que moi, Boigny Koulou. En tout cas, j'ai pas connu Oufou Boigny. Je n'ai pas connu le début de la FECI, le début des années 90, 92, où le grand frère se faisait frapper, violer dans les universités. J'ai pas connu. Mais dans cette affaire de Babou, le programme 2000, là, en tout cas, je suis un acteur. Bon, je suis pas un acteur, mais je suis un participant. J'ai participé à me battre mon pays et je n'ai pas honte, je ne regrette pas. Donc aujourd'hui là, quand je dis je suis Babou, parce que c'est une philosophie, ça dépend de comment il marche, ça dépend de quelle action il pose, ça dépend de quelle valeur de le pays, au détriment de lui-même. Donc il faut que moi je vous parle, il faut que les gens vous parlent, il faut que vous vous parlez, pour qu'on puisse faire un bloc autour de Babou avec nos propres moyens, pour que Ouattara, les gens comprennent que Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Jamais. Depuis le Golfe, jusqu'aujourd'hui. Ouattara a juste été le résultat de bandits armés. C'est comme des gens qui vont prendre des otages dans une banque. Dans la Côte d'Ivoire, et tout ce que nous subissons, nous sommes des otages dans une banque. Et ces armes-là sont détenues par la France-Afrique. Et Babou est le César qui va nous faire sortir de cette banque. Comme Willis dans Piège de Cristal. Camarade, il faut remettre à César ce qui est à César. Babou était au pouvoir. Ils l'ont bombardé. Ils l'ont enlevé. Il est revenu. Mais si nous, on le constate avec nous-mêmes, c'est à nous de nous battre pour mettre Babou au pouvoir. Pourquoi aujourd'hui on va aller s'entraîner? Babou doit revenir l'opposition. Babou doit aller voir Blegoudé. Babou doit aller voir moi, Simone. Babou doit faire pourquoi être malhonnête comme ça?
C'est à nous de dire à Maman Simone, et puis à Blé Goudé, et puis à Fingessa, et puis à Madou Koulibaly, allez voir votre colon. Parce qu'on ne vous connaît que par eux. Ce n'est pas l'inverse. Pourquoi Babou a voulu faire une alliance avec le PDCIRDR? Parce que le PDCIRDR, le PPAC, ils n'ont pas la même direction politique. C'était à l'aise le grand Babou d'aller voir le grand Bédier, de s'asseoir pour faire une alliance. Mais ce n'est pas tassé. Ils n'ont pas la même idéologie. Ils n'ont pas la même formation politique. Ils n'ont pas la même vision. Donc eux, là, on peut parler d'eux. Alliance. Mais déjà, avec qui j'ai marché, j'ai mangé, j'ai tout fait. Aujourd'hui, on ne se comprend pas dans la maison. On va le faire. Ça, c'est quoi ça? Que les anciens nous bénissent. Camarades, il faut que de temps en temps, on se parle. Il faut qu'on fasse des choses comme ça pour que les Ivoiriens comprennent qu'il n'y a pas, aujourd'hui là, il n'y a pas une seule arme qui est capable de nous sortir de ce d'accord. Si c'est pas Laurent Gbagbo. La seule arme qu'on appelle, c'est le César Gbagbo à qui il faut tout le mettre. Et pour finir, je vais dire à mes frères sur Louis. Les gars, regardez votre rétroviseur. Vous venez de loin. À tous mes frères sur Louis, regardez votre rétroviseur. Vous venez de loin. À cause de vous, moi, j'ai pris des coups. À cause de vous, j'ai pris des coups. À cause de Solo, vous avez pris des coups. Solo, c'était quelqu'un d'impropre, infréquentable, quelqu'un de sale, un sanguinaire. Solo, c'était pour le monde entier un rebelle, un traître à la nation. Mais vous avez mis Solo dans le débat. Vous avez rendu Solo important. Vous avez rendu Solo fréquentable. Et aujourd'hui, vous n'avez pas honte. Vous faites la guerre entre vous. Non, c'est lui qui m'a dit ça. Non, c'est lui, vous n'avez pas honte. Ah voilà, nous, on était jaloux des Soloïs. Parce que quand il y a un problème, c'est entre eux. Maintenant, vous venez. Maintenant que la preuve est finie là. Maintenant que Ouattara va partir. Maintenant que Babou dédouane Solo Guillaume. Maintenant que Babou est en train de protéger les enfants pour la Côte d'Ivoire, vous venez. Non, c'est Solo qui a perdu la rébellion. Ce n'est pas lui. Pourquoi on m'a insulté ma mère? Vous n'avez pas honte. En tout cas, moi, je suis votre frère. Ce que vous êtes dedans, je ne vais pas venir mettre le feu sur un et sur l'autre. Non, non. Je vous dis, rappelez-vous juste le jour où vous m'avez visité. Quand j'avais perdu mon initiateur spirituel. Rappelez-vous ça. L'Océanie,